accéléré, ça sort. Ouais. Si je freine tard et que j'accélère, ça me sort encore moins. Et les chronos sur une piste comme Bahreïn, à quoi il faut que tu fasses attention? Comment tu gères ça? À bien accélérer au endroit et à pas freiner trop tard et pas vouloir trop attaquer. Ouais. Et tu préfères rouler tout seul ou tu vas essayer de trouver le bon wagon? Ouais. Bon, le moteur, c'est le responsable, c'est ce monsieur là, hein. C'est ça, c'est lui qui... Ah, lui, il est responsable 200% du moteur. C'est lui 200%. Bah, disons qu'on était venu ici pour apprendre, puisqu'il roule sur un nouveau châssis, un nouveau moteur, etc. Ça marchait pas mal jeudi, hier aussi, mais là aujourd'hui on a un problème au chrono. Je sais pas ce qui s'est passé. Déjà les chronos, il est parti 5 minutes après tout le monde, parce que là c'est le bordel, il faut quand même le reconnaître. Et ça, ils doivent absolument changer pour la semaine, pour la course prochaine et pour demain en tout cas. Il n'est pas normal que des gens roulent alors que des gens ne sont pas encore rentrés dans le paddock et que ce soit les officiels qui ne les laissent pas rentrer. Donc là, il faut absolument que ça change. Évidemment, ben, c'est pas bon ni pour le pilote ni pour personne. Et voilà, bon, ça va pas. On va trouver.